Good morning, allez, dans les tissus aujourd'hui, les lunes, matin, bramion, ben, rana, pegi, batester, nissim, ben, aouda, et aussi, de fois, d'autres, batkoulis, rana, sim, rabat, dans ce dia, fat, mayan, batla, betor, chachol, israël. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines études de Mishnah, protectez 5 minutes éternelles, nous étudions ma serrette de Yod, Perikvav, Mishnah Bet, Heid, Rabbi Yoshua, Rabbi Nechounia, ben, Elinatan, Ishkvar, Abavli, al ever, minamet, shehutame, chez Rabbi Eliezer, Omer, lo, amro, ela, al ever, minachai, amro, lo, ben, lo, kalvach, Omer, ומה מן החי שהוא טהור, עבר הפורש ממנו טמא. המת שהוא טמא, אין עודין שיהיה עבר הפורש ממנו טמא. אמר להם, לא אמרו, אלא על עבר מן החי. דבר אחר, מרובה טומאת החיים מטומאת המתים. שהחי עושה משכב ומושב מתחתיו לטמא אדם ולטמא בגדים. ועל גביו מדף לטמא אוכלין ומשכין. מה שאין כן, מה שאין המת, Metame. Le Mishnah qui nous projette dans Maserhet et Ohalot. Pour rappel, Maserhet Ohalot, c'est une Maserhet qui se trouve dans le traité dans le tome de Taharot, l'impureté. On parle là-bas de la Tumat Ohel, l'impureté communiquée par le fait qu'on se retrouve sous le même toit, sous le même abri qu'un mort. Il y a là-bas plusieurs conditions. Quoi considérer comme un mort? Notamment, s'il y a des os du mort, une certaine quantité d'eau, s'il y a du sang du mort qui se retrouve dans une pièce, quelle quantité de sang. Et il y a aussi le combien de membres d'un mort doivent-ils être présents si on a que la, d'accord, si on a des membres, donc un membre, un doigt de mort qui se trouve dans une pièce, est-ce que celui qui entre dans la pièce devient impur, betumat ohel ou non? C'est-à-dire, s'il y a un mort donc, posé qui est dans une chambre, même dans un immeuble même, quelqu'un, un Cohen ne pourra pas entrer dans l'immeuble. Ou même tout Israël qui va entrer dans l'immeuble, il va forcément devenir impur parce qu'il est devenu, il est entré sous le Ohel Hamet. Alors la question maintenant est de savoir s'il y a un petit membre. S'il y avait d'abord on va préciser ce qui est clair, c'est que s'il y avait un kazaït de chair, un morceau de chair de muscle du mort, alors c'est considéré comme s'il y avait un mort entier, parce qu'il y a un kazaït, une quantité d'un kazaït, une taille d'une olive. Ouais, 27 cm cubes. Mais s'il y a toutefois un petit membre entier, mais inférieur à une quantité d'un kazaït. D'accord? Ça pourrait être une petite phalange du doigt, j'imagine, ça fait moins qu'une olive. D'accord? Alors, est-ce que ça, c'est considéré comme... Est-ce que c'est métamébéol ou non? Il y a en cela une discussion, c'est ce qu'on va voir dans notre Mishnah. Mais avant de lire la Mishnah, on va d'abord préciser une autre halakha. C'est qu'il y a une autre halakha qui a été dite, très originale, c'est que si un membre d'être humain est coupé, si c'est un membre entier, et bien même si ce membre provient d'un être vivant, malgré tout, ce membre-là sera considéré comme un membre mort et rendra impur, et même si ce membre n'a pas un volume de 1 kazaït. Concrètement, ça signifie que un menuisier, par exemple, c'est fréquent, les pauvres, il leur manque des doigts. Pendant qu'il est en train de couper, pac, il a envoyé un doigt, un petit bout de doigt même, une phalange, un membre entier, mais on considère un membre là où il y a un os, c'est considéré comme une partie indépendante, quoi. Alors un Kohen ne pourra pas rentrer dans la pièce, c'est devenu un Ohel Hamet. D'accord? Ça c'est pour le Ever Mina Chai. Ever Mina Chai. De là, on va déduire la halakha pour le Ever Mina Met. Et ça va être ça la question, est-ce qu'il faut déduire l'un de l'autre ou est-ce qu'il y a une différence? Et on fait ça tout de suite dans les mots. Heid Rabbi Yoshua ve Rabbi Nechounia ben Elinatan Ishkvar Abavli. Deux Tanaïm. Un qui s'appelait Rabbi Yoshua, bien connu dans Chasse, et un autre moins connu, qui c'était Rabbi Nechounia ben Elinatan, qui venait de Kfar Abavli, le village babylonien. Ils ont témoigné sur quoi? Al Ever Minamet Shehutame. Sur littéralement un membre d'un mort qui rend impur, qui est impur et qui rend impur même Betumata Oel. D'accord? On parle en fait d'un membre, comme le dit tout de suite le Barthénora, regardez, Aleder Minamet, She'en Bo Kazaït, qui n'avait pas un volume de 1 Kazaït. Parce que s'il y avait un Kazaït, comme il continue des Kazaït Minamet, les Olam Metame, les Dibrakol, qui Metatsmo, s'il y avait une quantité de 1 Kazaït Bevadaï, que c'était Metame. Le problème de ce membre, c'est qu'il. Donc c'est un membre qui était détaché d'un corps mort, qui avait moins que 1 Kazaït. Alors, ils ont témoigné qu'il est impur. Pourquoi il a fallu témoigner? Parce qu'en réalité, chez Rabbi Eliezer Omer, lo amru ela alever minachai. Parce que Rabbi Eliezer, le grand Tana Rabbi Eliezer Agadol, qui était le grand Bar Plukta, c'était celui qui est toujours en discussion contre Rabbi Yoshua, c'était son grand ami, et à la fois son rival d'études,
son ami d'étude, en étude, un ami, c'est un rival, c'est quelqu'un donc, avec qui on est dedans complètement. D'accord. Donc l'homme où elle allait vers Minachai, alors il est lui, Rabbi Eliezer, il a dit non, la halakha qu'un membre qui fait un moins qu'un volume de kazaït trop impur, c'est uniquement lorsque c'est un ever minachai, un membre qui a été détaché d'un membre d'un être vivant, mais pas d'un mort. Amroulo, alors ils ont rétorqué les chachamim, ils ont dit comme ça, mais c'est pas du tout. Ve'alo kalvachomer, il y a en cela un kalvachomer, une déduction par a fortiori, de manière générale. Si, la grande règle du kalvachomer, c'est que si le petit... il est capable de lever 2 kilos, alors le grand est aussi capable de lever 2 kilos. Il est au moins capable de lever 2 kilos, d'accord? Selon le même principe, ça s'applique comment? Je vous demande une question évidente que tout le monde connaît très bien. Qu'est-ce qui est plus impur? Un être vivant ou un être mort? Bien évidemment, le mort, c'est avi avot touma, c'est l'être le plus impur. Alors maintenant, je vous pose une question. Si un membre d'un être vivant rend impur, be'ohel hamet, n'est-ce pas plus forte raison qu'un membre d'un mort va rendre aussi lui impur par Ohel Hamet, même s'il n'a pas un volume de un kazaït? Déduction très logique. Regardez, c'est ce qu'il dit dans les mots. Amroulo, il nous rétorque, va lo kalvachomer. Il y a en cela un kalvachomer, un déduction par a fortiori, du plus léger au plus ramour. Uma minachai shehu taor. Et si déjà, d'un être vivant, que l'être vivant lui-même, il est taor, il est pur, et vera poresh mimenutame, un membre qui se fait détacher de lui, ce membre-là, il véhicule une forte impureté d'être tamé, d'être métamé, même be'oel hamet. D'accord? Hamet chez utamé, le mort qui est entièrement considéré comme un mort, qui est entièrement, qui véhicule une très grande touma tout le temps, même quand il est entier et intégral. Alors, enodin sheye vera poresh mimenu tamé, n'est-ce pas plus forte raison que lorsqu'un petit membre va se détacher de ce mort qui va lui aussi rendre impur Be'oel Hamet, il va pouvoir véhiculer cette forte Touma. Logique, non? Il leur a répondu Rabbi Eliezer, Amar Lahem, il leur a répondu Lo Amru Ela Al Ever Minachai. Ils n'ont dit leur Alaha, malgré tout, l'Alaha n'a été dit que sur un Ever Minachai. C'est comme ça. C'est d'ailleurs très étonnant, d'ailleurs, comme une manière de réfuter, parce que Kalva Chomer, la Torah, elle nous a dit. Hachem nous a donné la Torah écrite, et il nous a donné toutes les Shloshesre Midot, les 13 manières de déduction de la Torah, il y en a bien plus même. Et une de, c'est le Kalva Chomer. Alors ça veut dire quoi? Si un Kalva Chomer, alors je fais le Kalva Chomer, c'est quoi ton histoire? Peut-être oui, peut-être non. C'est assez étonnant. Il y a ici un Tiferet Israël, et j'ai pas assez percuté ce qu'il veut dire, qui essaie d'expliquer pourquoi malgré tout tu peux pas déduire. C'est-à-dire, quand tu veux faire un Kalva Chomer, je dis quand même le principe, c'est que quand on veut faire un Kalva Chomer, c'est qu'il faut prendre sur la chose elle-même. La chose elle-même, dans quelle situation elle est plus grande, dans quelle situation elle est plus ramoura. Ne prends pas un mort avec quelque chose qui est détaché de lui. Dis-moi, est-ce que sur le membre, tu as vu une khumra plus grande dans le membre du vivant par rapport à celui du mort ou non? Et si sur le membre lui-même, il n'y a pas eu, alors ne regarde pas avec un regard global sur tout le mort, tout le corps qui n'est pas lui-même, qui ne véhicule pas l'impureté. C'est assez compliqué à comprendre. Personnellement, je n'ai pas assez percuté ce qu'il dit. C'est apporté ici dans le Tiferet Israël. Si ça vous intéresse, regardez. D'accord? En tout cas, premièrement, donc première réponse de Rabbi Eliezer, c'est comme ça. On ne déduit pas. La halakha de dire que même un petit membre rend impur, même moins de un kazaït, ça a été dit sur le Ever Minachai, pelo Ever Minamet. Sur le membre qui provient du vivant et pas sur le membre qui a été détaché du corps mort. Davar Acher, là maintenant, Rabbi Eliezer va proposer une autre justification. Il va nous dire comme ça. Je vous le fais d'abord à l'oral, ce sera plus facile. C'est vrai que tu as vu qu'en qualité, l'impureté du mort est plus grave que l'impureté du vivant. Mais regarde que même en quantité, si je peux dire, si je peux m'amuser à qualitatif, quantitatif, en quantité, en manière d'en rendre impur, il y a aussi des chumrot que tu vas trouver chez le mort, chez le vivant, que tu ne vas pas trouver chez le mort. Par exemple, Toumat Zav, il y a une halakha spéciale qu'on a déjà évoquée, que un zav, quelqu'un qui a des impuretés qui s'évadent de lui, qui sortent de lui, quoi, un homme, une femme, peu importe, si il va s'asseoir sur 10 chaises, une sur l'autre, par exemple, alors chaque chaise va prendre un statut très spécial de devenir merkav azav ou mishkav azav. Une impureté, ça va véhiculer, même s'il ne rentre pas en contact avec la chaise qui est tout en dessous, il va la rendre impure, et il va la rendre impure avec une impureté tellement forte qu'elle devient av. Normalement, le Zav, lui, il est Av, il est père. Donc, s'il touche quelque chose,
il va le rendre rishon, s'il touche un fruit, il va le rendre rishon la touma. Et bien il y a une halakha spéciale dans le Zav que lui va s'asseoir sur des chaises et il va rendre la chaise qui est même tout en dessous, il va la rendre av, au point où cette chaise ensuite elle va rendre impur quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, regardez que l'être vivant en plus, le Zav par exemple, on reste avec le Zav, si lui il va se mettre à porter, à prendre 10 ustensiles, un au-dessus de l'autre, il va tous attraper la pile mais en attrapant que celui tout en dessous, puisqu'il déplace tous les 10 et les rend tous impurs, alors qu'ils ne rentrent pas en contact avec lui. Tandis que le mort doit nécessairement... Bon, certes, le mort communique la Touma par le Ohel, mais à part la Ohel, si c'est un problème de contact avec le mort ne va rendre impur que celui qu'il touche directement. S'il y a 10 vers empilés l'un sur l'autre, et qu'on va prendre un petit bout de mort, ouais, un petit doigt qui n'avait même pas un kazaït et qui n'était même pas un membre entier, et on va le faire toucher le verre d'en dessous... Ouais, d'accord, on va faire toucher le verre qui est en dessous, par exemple, et bien ce verre-là, il va devenir impur. Mais ensuite, ce verre-là, il va devenir impur, il va devenir Rishon, Av. Mais en tout cas, il ne va pas communiquer la Touma au 10. Donc regardez que chez l'être vivant, il y a aussi certaines impuretés qui sont plus strictes que par rapport aux morts. De ce fait, tu ne peux plus déduire par a fortiori en disant que si le vivant... il est impur, si le membre qui vient du vivant il est impur, alors le membre qui va venir du mort lui aussi sera impur, c'est pas vrai, parce que des fois le vivant il est plus grave que le mort. T'as trouvé dans plusieurs domaines certes que le mort il est plus chamour, mais dans d'autres domaines t'as vu aussi que le vivant il est plus chamour, donc il y a plus de calva chomer. D'accord? Pour revenir sur l'exemple type du calva chomer, tu me dis ah mais si le petit il peut lever 2 kilos, alors le grand aussi il peut lever 2 kilos, mais si je vais te trouver par ailleurs, c'est vrai le petit il peut lever 2 kilos. Le petit, il est petit. Mais tu sais, le petit, à part ça, il a, je sais pas, il a une force de par ailleurs, qu'il a un pouvoir extraordinaire, tandis que le grand, il l'a pas. Alors tu pourras plus faire le calva chomer, c'est logique, c'est le même principe. D'accord? On revient maintenant sur ça. D'abord, Acher. Autre justification de Rabbi Eliezer. Mais Rouba Tumat Achaim, mi Tumat Ametim. Vous m'avez dit que l'impureté du grand, du mort, elle est plus sévère que l'impureté du vivant. Mais regarde aussi que l'impureté du vivant, elle est plus vaste, plus étendue. Il y a un éventail de choix, de possibilités de rendre impur beaucoup plus large que celui du mort. Dans les mots Merouba, il y en a plus de Tumata Chaim, d'impureté du vivant communiquée par le vivant, que Mitumata Metim, que l'impureté communiquée par le mort. Pourquoi ? Chez un Chai, car un être vivant, si c'est un Zav par exemple, Ose Mishkav ou Moshav Mitartav, Letame Adam ou Letame Bgadim, s'il va s'asseoir sur un Mishkav ou Moshav, sur une chaise ou sur un matelas, alors il va rendre, donc ils vont être sous lui, même sous 10 niveaux même, l'étamé Adam ou l'étamé Bgadim, il va le rendre une Touma pour le rendre comme lui, il va le rendre aussi Av, au point où si un autre homme va venir s'asseoir ensuite sur une chaise, une femme qui s'asseoir, une femme Nida, qui va s'asseoir sur une chaise, et ensuite un homme pur va venir s'asseoir sur cette chaise, l'homme pur il va devenir lui aussi impur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas rendre l'impureté, la chaise impure par simple Tumat Maga, mais elle va lui donner un statut spécial sur le fait qu'elle se soit assise dessus, sur un objet, sur une chaise qui est prévue pour s'asseoir. C'est une halakha spéciale de Mishkav ou Moshav. Donc, ce sera au point d'être Metame Adam, ve Metame Bgadim aussi, et même des ustensiles. Ve Al Gabav, et en plus de ça, Al Gabav, au-dessus du Zav, si le Zav il se met à prendre les 10 verres, Madaf, il va les rendre ce qu'on avait appelé Avatuma, une Touma impure qui s'appelle Madaf, on ne va pas expliquer pourquoi, d'accord. Ça s'appelle Madaf, il va les rendre avec un... c'est expliqué dans le portrait, ça nous intéresse. C'est une manière de dire une Touma légère, il va les rendre une Touma légère s'il porte les 10 verres, les Tamé Ochalinu Mashkim, au point où le verre de tout en haut, il va pouvoir, ouais, il avait les 10 verres empilés, il va maintenant, le verre qui va être tout en haut, il va le rendre impur, au point où ce verre-là, il va pouvoir rendre impur les Ochalinu Mashkim, les aliments et les liquides. Machen, Amet, Metame, ce qui n'est pas le cas du mort. Si le mort, il n'y a pas de OL par exemple, le mort, tu lui mets 10 lits, un sur l'autre, et tu le couches au-dessus, eh ben, le lit sur lequel il entre en contact, il va le rendre impur, certes, mais les lits, les matelas qui sont en dessous, eh ben, il ne va pas les rendre impurs. S'il n'y a pas eu tout Mata OL par exemple, il ne va pas les rendre impurs. Et aussi, si on va poser sur un mort 10 objets, celui qui était en compte, s'il n'y avait pas de problème de Tumata Ohel, il y a un petit problème qu'il faut faire attention, mais en tout cas, si tu vas poser 10 objets de manière à ce qu'il n'y ait pas Tumata Ohel, il y a des moyens de le faire, alors celui qui est en contact avec lui, il va être impur, celui qui n'était pas en contact, il ne va plus devenir impur. Donc tu as vu une Khumra dans le Chai qui ne se trouve pas dans le mort, de ce fait, Rabbi Eliezer déduit là, que tu ne peux pas déduire sur le fait que le Ever Mina Chai,
le membre qui vient d'un être vivant, il impurifie, même s'il n'y a pas un kazaït, tu ne pourras pas déduire pour le membre qui provient d'un mort. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, avec pour demain une Mishnah gigantesque, que dans notre programme, on l'a coupée en deux pour demain et après-demain. Donc, bonne journée, Kol Tov, Selah.